Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. This priority. Si au moins vous allez au ciel. If you get to heaven. Mais je crois que ce soir. But I believe tonight, toute personne qui est là ira au ciel. Every one of us that is in this place. Alors voilà pourquoi. So this is why. Je vous conseillerais. I will advise you. De considérer cette priorité. To consider this priority. Parce que les œuvres de cette priorité. Because the works of this priority. Vous en trouverez même au ciel. You will harvest even in heaven. Vous savez, nous avons entendu beaucoup d'histoires de gens que le Seigneur a fait visiter le ciel. We have heard many stories of people whom the Lord allowed to go and see heaven. On nous a dit qu'au ciel, il y a des gens qui dorment dans des dortoirs. We were told that there are people who sleep in dormitories. Mais ils sont au ciel. But they are in heaven. Il y en a qui dorment dans des conditions normales. Others live in normal conditions. Mais ils sont au ciel. But they are in heaven. Mais la priorité que je vais vous apprendre aujourd'hui, but the priority I'm teaching you tonight, ça sera une grande différence dans votre vie présente et dans votre vie dans les cieux. Will make a big difference in your life on earth presently and in heaven. Et cette priorité, and this priority, s'appelle is called servir Dieu. Serving God. Moi, je croyais que vous allez acclamer. I thought you would give a hand for the Lord. Je comprends une chose. I understand one thing. Vous n'avez pas acclamé. You didn't clap. Parce que vous ne comprenez pas réellement ce que signifie servir Dieu. Because you don't truly understand what it is to serve God. Parce que si vous savez ce que signifie servir Dieu, because if you knew what it was to serve God, vous en connaîtrez la profondeur. You would know the depth. Parce que pour certains d'entre nous, for some people, servir Dieu c'est pour le pasteur. Serving God is for pastors. Servir Dieu c'est pour les musiciens. Serving God is for musicians. C'est pour les diacones. It's for deaconesses. C'est pour les anciens. It's for elders. C'est pour les protocoles. It's for ushers. Donc c'est ça les gens qui doivent servir Dieu. Those are the people who serve God. Alors c'est les autres gens là. These other people, ne sont des gens qui viennent à l'église. They just come to church. Écouter la parole. They sit down and listen to the word. Et rentrer à la maison. They go back home. Et demander des choses à Dieu. And they ask things to God. Et si Dieu ne donne pas, and if God doesn't give, ils commencent à parler. They start speaking. Et pourtant j'ai 20 ans de l'église. But I've been so long in church. Ça fait 10 ans que je prie. 10 years I'm praying. Je chante. I sing in church. Je danse même pour Dieu. I dance for God. Bien-aimé, danser, louer dancing, l'Éternel, praising the Lord, et l'adorer, and worshiping the Lord. Si tu ne le fais pas ici, if you don't do it here, au ciel on en fait déjà. In heaven, it's already there. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau dans ta vie. Au ciel. Mais le service que nous rendons à Dieu. Le service que nous rendons à Dieu. Est très différent. Is very different de louer et adorer. Than worshiping and praising. Louer et adorer. Worshiping and praising ne signifie pas servir Dieu. Does not mean you are serving God. Je vais vous montrer dans les Écritures. I will show you in the scriptures. À partir d'aujourd'hui. From tonight, sache que know that quand tu loues et tu adores Dieu, when you praise and worship God, d'abord, vous le louez, you praise God, ou nous le louons, or we praise God, pour ce qu'il a fait dans nos vies. For what he has done in our lives. Donc là, c'est lui qui a fait. He has done. Et nous l'adorons we worship him pour ce qu'il est. For what he is, for who he is. Et ce n'est pas toi qui vas changer ça. And you will not change that. Ce n'est pas moi qui vais changer ça. I cannot change that. Lui, il est Dieu. He is God. Il restera Dieu. He will stay God. Que vous et moi, nous le louons, nous ne le louons pas. Whether you and I praise him or ou not. Ou bien nous ne l'adorons pas. Whether you and I worship him or il not. Il reste Dieu. He is God. Amen. Amen. Il est Dieu avant que nous soyons nés. He was God before we were born. Et il restera Dieu quand nous irons au ciel. He will remain God when we go to heaven. Donc ce n'est pas quelque chose qui va changer ta vie. So it is not something that will change life. C'est simplement reconnaître quand tu loues et tu adores Dieu.
When you praise and worship God, c'est reconnaître you acknowledge qu'il y a un créateur de toutes choses. That there is a maker of everything. Amen. Donc cela est normal parce qu'il l'est déjà. It is normal because he is already. Mais quand nous rendons service à Dieu, but when we serve God, c'est là où nous donnons ce que nous pouvons nous donner. It is what we give. We are giving what we can. C'est là où nous, par nos efforts, that is when us, by our efforts, nous donnons à Dieu. We give to God. Quand il est loué ou tu l'adores, when you praise him and worship him, c'est reconnaître qu'il est Dieu. You acknowledge that he is God. Et il est déjà Dieu avant que toi tu le reconnaisses. And he is God before you even acknowledge it. Donc tu n'as rien donné. So you have given nothing. Parce qu'il restera Dieu. Because he will remain God. Mais quand tu lui rends service, but when you serve him, c'est là où toi tu as l'opportunité de lui donner quelque chose. That's your opportunity to give him something. C'est la vraie opportunité que nous avons sur cette terre. It is the only real opportunity we have on earth. Pour donner à Dieu. To give to God. C'est lui servir. Serving him. Alors je vais vous montrer. So I'm going to show you que cela n'a pas débuté après quand Jésus-Christ est venu. That it did not begin after Jesus came. Mais c'était d'abord la pensée de Dieu. But it was first the mind of God à la création de l'homme, when he created man, pour que nous puissions le servir. For us to serve him. Allons-y dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. We'll read Genesis chapter 1 and verse 26. Genèse chapitre 1 verset 26. Genesis chapter 1 verse 26. Nous devons comprendre ces choses. We need to understand these things. Comme ça nous savons comment il faut vivre. So that we may know how we should live. Parce que servir Dieu, because serving God, je vous le répète, ça va changer votre vie si vous considérez ça comme première priorité. I repeat it again, it will change your lives if you take it as your first priority. Et j'en ai l'expérience. And I have experience. Genèse 1, verset 26. Genesis chapter 1, verse 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. God said, let us make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the beasts, and over all the earth, and over everything that creeps upon the earth. Amen. Amen. Bien-aimé, quand Dieu décide de créer l'homme, when God decided to make man, Dieu avait déjà tout créé. He had created everything. L'or, gold, l'argent, silver, les oiseaux, the birds, tout ce dont nous voyons maintenant. Everything we see now. Dieu avait déjà tout créé. God had made it all. Et l'homme n'était pas là. Man was not even there. Suivez-moi très bien. Follow me well. C'est-à-dire que Dieu a créé toutes ces choses. It means God made all these things. Sans que vous et moi nous soyons là. Without you and I even being there yet. Et je voudrais vous rappeler un verset qui est dans Ecclésiastes, qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. That says that there is nothing new under the sun. Dieu avait déjà tout créé. God had made everything. Et à la fin de la création de toutes choses, and at the end of creation, si je comprends les Écritures, if I understand all the scriptures, il y a eu un besoin. There was a need. Il y a eu un besoin. There was a need. Le besoin qu'il y a eu à la fin de la création, the need that arose after creation, c'est ce qu'il fallait, il fallait avoir un gérant is that there needed to be someone to manage de toute la création que Dieu avait faite. All this creation God had made. Dieu dit, nous avons créé toutes ces choses. God says, we have made all these things. Quand je dis nous avons tout créé, il s'agit de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. When I say God said we, it means the Father, the Son and the Holy Parce Spirit. Parce que la Bible dit créons l'homme, créons l'homme. The Bible says let us make.
Le besoin se présente. A need arises. Il faut la gestion de toute la création. And someone there needs to manage creation. Il faut que quelqu'un nous représente sur ce que nous avons créé. Someone needs to represent us over what we have created. C'est alors que Dieu dit, and God says, créons l'homme à notre image, let us make man in our image et à notre ressemblance and in our likeness, pour qu'il domine sur toutes les choses que nous avons créées. To have dominion over the things we have created. Maintenant, ma question est de savoir ce soir, my question now is to know, quelle sera la priorité de la personne que Dieu venait de créer? What will the priority be for the man who God has created? Si nous comprenons les Écritures, if we understand the scriptures, nous verrons que c'était pour répondre aux besoins que Dieu avait. It was to answer to the needs God had. C'est-à-dire que cette personne, it means this person, il peut avoir autre chose, he might have other things, mais la priorité de cette personne but the priority for que this Dieu person venait de créer that God had just made, serait de répondre aux besoins de Dieu was to answer to the needs of the Lord, et pas autre chose. And nothing else. C'est-à-dire que si cette personne doit exister pour longtemps, it means that if this person must exist for a very long il doit répondre aux premiers besoins de Dieu. He must answer to God's first need. C'est-à-dire que sa priorité sur cette terre, meaning his priority on earth, est de répondre aux besoins de Dieu. Is to answer to the needs of God. Parce que Dieu venait de tout créer. God had just created. Maintenant, il a besoin de quelqu'un. Now he needs someone pour gérer ce qu'il a créé. To manage what he had created. Cela signifie que vous et moi, you and me, vous et moi, you and me, nous avons été créés pour cela. Were made for that. Et notre première priorité, our first priority, doit correspondre aux besoins de Dieu. Must correspond to the needs of God. Parce que c'est là la raison de ta création. That is the reason for your creation, for your existence. La raison de ta création, the reason for your existence, c'était pour répondre aux besoins que Dieu avait. Was to answer to the need God had. Et Dieu n'a pas changé. God hasn't changed. Il a toujours des besoins. He still has needs. Et ces besoins, and those needs, c'est pour cela qu'il nous a créés, are the reason why he created pour répondre us à ses besoins. For us to answer to his needs. Et cela doit toujours être ta priorité. And this must always be your priority. Maintenant, regardez dans le verset 28. Now look in verse 28. Quand l'homme venait d'être créé, when man has been created, pour gérer ce que Dieu a créé, to manage and rule over Dieu what maintenant God lui, has created, il lui dit, sois fécond. God tells him, be fruitful. Multiplie. Multiply. Pourquoi? Why? Parce que Dieu avait beaucoup créé. God had created a lot. Donc la fécondité de l'homme, the fruitfulness of man, est basée sur les besoins que Dieu a. On the needs God had. Les jours que tu comprendras, the day that you understand, les jours que toi, vous et moi, nous comprendrons, the day that you and I will understand, que nos priorités that our priorities doivent répondre aux besoins de Dieu, must answer to the needs of the Lord, c'est ces jours-là que tu seras fécond sur tout le plan. C'est ces jours-là que tu seras multiplié. C'est ces jours-là que tu auras la faveur divine qui te permettra that will allow you de conquérir partout. To conquer everywhere. Parce que quand tu réponds aux besoins de Dieu, when you answer to the needs of God, tu deviens fécond. You become fruitful. Amen. Amen. Quand tu réponds aux besoins de Dieu, when you answer to the needs of God, tu seras multiplié. You'll be able to multiply. Maintenant, nous faisons l'inverse. We do the opposite. Nos besoins, our needs, sont devenus, ne sont plus prioritaires. Are not. Ne sont plus prioritaires. Nos besoins ont remplacé les besoins de Dieu. Our needs have replaced the needs of God. Est-ce qu'on se fait comprendre? Are we together? Les jours où tu vas aligner tes priorités aux besoins de Dieu. The day when you align your priorities to the needs of God. Tu vas dominer. You will rule. Tu vas multiplier. You will multiply. Tu seras fécond. You will be fruitful. C'est ce jour-là and on that day, que mille tombent à gauche
10 000 à droite. 10,000 to your right. Parce que toi, tu as un engagement. But because you have a commitment. De répondre aux besoins de Dieu. To answer to the needs of God. Dieu te protégera. God will protect you. Parce que ses intérêts se trouvent en toi. Because his interests are found in you. Cela signifie quoi? What does this mean? La longévité. Longevity. La durée de ta vie sur cette terre. The length, the span of your years on earth dépend de la manière dont tu es utile dans l'agenda de Dieu. Depends on how useful you are in God's agenda. Parce que chacun de nous, dans l'agenda de Dieu, on a un endroit. Because every one of us, in God's agenda, we have a purpose. On a un rôle à jouer. We have a role to play. On a quelque chose à faire dans we l'agenda have de something Dieu. To do. On a un besoin de Dieu à répondre. There is a need for us to fulfill in God's agenda. Alors, je voudrais vous poser une question. So I'm going to ask you a question. Regarde-toi. Look at yourself. Est-ce que tu es utile dans l'agenda de Dieu? Are you useful in God's agenda? Ou tu as abandonné ton poste? Or have you abandoned your position? Est-ce qu'il y a-t-il un service que toi tu as à accomplir dans l'agenda de Dieu? Is there still something you have to fulfill in God's agenda? Ou bien tu es un chrétien? Or are you just a Christian? Qui vient à l'église? Who comes to church? Qui chante? Who sings? Qui danse? Who dances? Comme on le dit toujours, oh, aujourd'hui les musiciens ont bien chanté. We say, oh, the band they sang so well today. On a bien dansé. We danced so well today. Ce n'est pas ça le service. That is not serving God. Ce n'est pas ça le service. That is not a service. Nous aurons un jour de parler de la différence entre servir Dieu et louer et adorer. One day we're going to speak about the differences mais la between question, serving God and worshiping and praising God. La question que je te pose ce soir. The question I ask you tonight. Est-ce que as-tu un service que tu es en train de rendre dans l'agenda de Dieu? Do you have a service you are fulfilling in God's agenda? Parce que cela détermine ta longévité. This will determine your longevity. Venir à l'église, coming to church, c'est bien. Is good. Chanter, c'est bien. Singing is good. Mais est-ce que tu rends service à Dieu? But are you serving God? Est-ce que tu rends service à Dieu? Are you serving God? Nous allons lire un autre verset. We're going to read another verse. Qui va un peu nous ouvrir les yeux that will enlighten us, open our eyes pour pouvoir comprendre que so that we may understand servir Dieu, serving God, c'est ce qui doit être notre priorité. Is what ought to be our priority. Allons-y dans le livre de Exode. Let's read in Exodus. Exode 23, verset 25. Chapter 23, verse 25. C'est un verset que nous connaissons tous. Exodus chapter 23. Exode 23, verset 25. Exodus 23, verse 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. You shall serve the Lord your God. He shall bless your bread and water, and I will take sickness from your midst. None shall lose her young by miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. Amen. Amen. Je ne pense pas que nous lisons souvent ces versets avec beaucoup de sagesse. You know what I think? We don't read this verse with a lot of wisdom. C'est ce que j'aime avec la parole de Dieu. I love this about the word of God. Elle est simple. It is simple à comprendre. To understand. Et Dieu parle d'une manière claire. It speaks in a clear way. Si nous analysons les événements actuels. When we analyze actual events, current les fléaux events, qui sont en train de se passer par-ci par-là dans le monde entier. These things that are happening in the whole world. Je crois que la considération intellectuelle de ces versets
The intellectual consideration of this verse doit changer beaucoup de choses dans nos priorités. Must change things in our priorities. C'est-à-dire que nous devons maintenant avoir comme priorité It means now we should have as priority servir Dieu. Serving God. Et si la Bible est claire, The Bible is very clear here. Elle ne dit pas vous louez l'Éternel. It doesn't say you shall praise the Lord. Vous adorerez l'Éternel. It doesn't say you shall worship the Lord. Vous danserez à l'église. It doesn't say you shall dance in church. Vous viendrez tout le nombre de fois à l'église. It doesn't say for as much as you come in church. Elle est claire. It's clear. Vous servirez l'Éternel. It says you shall serve the Lord. Votre Dieu. Your God. La première promesse. The first promise. J'éloignerai la maladie. I will take sickness away. C'est-à-dire que la maladie, elle est là. It means the sickness is around. Elle est proche de toi. It is close by. Elle peut même t'attaquer. It can attack you. Elle peut t'affecter. It can affect you. Elle peut affecter ta famille. It can affect your family. Elle peut affecter ton enfant. It can affect your children. Elle peut affecter tes amis. It can affect your friends. Mais comme toi tu sers l'Éternel, But because you serve God, notre Dieu, our God, éloignera cette maladie de toi. He will take sickness away from you. C'est là où vous avez That's where you have des gens qui peuvent attraper le corona, people who might get corona, mais ils sont sauvés. But they are saved. Mais il dit, but he says, celui qui servira, the one who will serve, qui exécutera le plan que j'ai dans mon agenda, and execute the plan, celui-là, that one, j'éloignerai la maladie de lui, I will take sickness away de sa maison, from their home. Il peut en attraper. They might get it, mais je ferai la différence but I will make a difference entre ceux qui me servent between those who serve me et ceux qui ne me servent pas. And those who don't serve me. Tous ces versets-là, All these verses, ce sont des versets que nous devons maintenant commencer à exécuter. Are verses we should begin to execute. Parce que les années, les temps que nous vivons the years, the times that we live in, ne sont pas comme les années passées. Are not like before. Aujourd'hui, vous tous, vous êtes en masque. Today, everyone is C'est quel genre de coiffure ça? What kind of life is this? Quel genre de maquillage? What kind of makeup? Et la beauté de nos femmes ne se voit même plus. Our wives' beauty is now hidden. À cause des masques. Because of masks. Les mamans ne savent plus se maquiller. Women cannot put makeup on anymore. Les maquillages, vous avez les mamans enlèvent les masques, mais il y a les rouges qui restent dans les masques. You have ladies who put on makeup and beautiful lipstick and MAC, but when you remove your mask, everything stays in the mask. C'est bizarre. That is weird. C'est bizarre. It's weird. Les temps ne sont plus les mêmes. Times have changed. Le temps ne seront plus aussi les mêmes. And times will never be the same. Mais il y a une promesse. But there is a promise qui est derrière cette parole. Behind this word. Si vous servez l'Éternel, if you serve the Lord your God, il éloignera la maladie de toi. He will take sickness away from you. Il bénira ton pain. He will bless your bread. Cela signifie quoi, bénir What does that son mean, pain? Beloved? Ton travail, your job. Tu vivras de ton travail. You will live with Pendant your que job. Les gens vont crier de gauche à droite qu'on est en train de licencier les gens, While other people will cry left, right, that they are being fired, mais Dieu te donnera beaucoup d'opportunités que d'ordinaire. But God will give you many more opportunities. Il bénira ton pain. He will bless your bread. Ce n'est pas parce que tu as loué, It is not because you were praising, mais c'est parce que tu as servi. But because you were serving. Parce que tu as servi. Because you were serving. Est-ce que tu sers Dieu? Are you serving God? Je sais que certaines personnes ne savent pas. Maintenant, moi, je ne sais pas chanter. Other people are saying, I don't know how to sing now. Je ne sais pas jouer la guitare. I don't know how to play the guitar. Je ne sais pas. Je ne suis pas un pasteur. I'm not a pastor. Comment je peux servir Dieu? How can I serve God? Nous en parlerons. We will share this. Dans les prochains enseignements. In the next teaching. J'éloignerai la maladie de toi. I will take sickness away from you. Si tu sers Dieu. If you serve God. Si tu sers Dieu. If you serve God. Ça c'est une promesse. This is a promise. Que chacun de nous. That every one of us. Doit commencer à considérer. Must begin to consider. Faire sa première priorité. And make this his or her priority. De répondre aux besoins de Dieu. To answer to the needs Je voulais of vous rappeler I'm reminding que je suis en train de vous parler I'm teaching you de la première priorité.
about your first priority. Si tu changes ta priorité, if you change your priorities, et que tes priorités sont des priorités qui répondent aux besoins de Dieu, and that your priorities become ones that answer to the needs of God, comme l'homme que vous et moi nous sommes, the people that you and I are, nous avons été créés pour répondre aux premiers besoins de Dieu. We were made to answer to the needs of God. Ta vie ne sera pas la même. And your life will never be the same. Nous allons encore lire dans le livre de Luc, we're going to read in the book Luc 4, Luke, chapter 4, verset 8. Luke chapter 4, verse 8. Quelle est ta première priorité? What is your first priority? Luc 4, verset 8. Luke chapter 4, verse 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc nous comprenons que ça c'est Jésus qui parle. Tu adoreras ton Dieu. You shall worship the Lord your God. Et tu le serviras lui seul. And only him you shall serve. Ça, j'en ai déjà parlé à mes amis musiciens, je crois, une fois. I've shared this with the band. Que venir chanter ici, coming here to sing, c'est bien. It's all well. Mais il faut que votre manière de chanter devienne un service à Dieu. But your way of singing has to become a service to God. Parce qu'il y en a des musiciens qui n'ont que ça comme travail, par exemple. Because you know there are some musicians who only have that as a job. Mais il faut que votre manière de faire le travail devienne un service à Dieu. But your way of doing things must be a service. Et nous en parlerons dans les jours à venir. And we will speak about this. Donc ici, je voulais juste vous faire voir qu'il y a une différence entre servir Dieu et adorer ou louer Dieu. So I was trying to show you that there is a difference between serving God and praising or worshiping God. Nous allons encore dans le livre de Luc 7 à partir du verset 2, Luc 7. Let's go into Luke chapter 7. Si votre priorité if your priority est de répondre aux besoins de Dieu, is to answer to the needs of God, votre vie ne sera pas la même. Your life will never be the same. Luc 7 à partir du verset 2. Luke chapter 7 from verse 2. Jusqu'au verset 5. Up to verse 5. Un centenier avait un serviteur auquel il était très fâché, très attaché, et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Verset 5, « Car il aime notre nation, donc les centeniers, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Now a centurion had a servant who was held in honor and highly valued by him, who was sick and at the point of death. And when the centurion heard of Jesus, he sent some Jewish elders to him, requesting him to come and make his bond servant well. And when they reached Jesus, they begged him earnestly, saying, he is worthy that you should do this for him, for he loves our nation and built our synagogue at his own expense. Amen. Amen. L'histoire qui se passe pendant ce temps, this story happening, un centenier romain, a Roman soldier, un centenier, c'est quelqu'un qui dirige, c'est un officier militaire qui dirigeait 100 personnes, 100 militaires. A Roman centurion was a leader, a military leader who was leading over 100 people. Alors la Bible nous dit que, and the Bible tells us, ce n'est même pas lui ou son enfant qui était malade. It was not even his child who was sick. Mais c'était son serviteur. But it was one of his servants. Mais je crois que le service qu'il recevait de son serviteur, and I think that the service he obtained, he got from his servants, était tellement important qu'il ne voulait pas le perdre. Was so important that he didn't want to lose his servant. Et je crois que dans le plan de ces centeniers, and I believe that in the plan of this centurion, dans ses activités, in his activities, la qualité de service que ce serviteur rendait à son maître, the quality of service that his servants gave to their master, a fait que s'il mourait, caused that if they died or if he died, il y aura un dégât.
un dégât, a chaos or a delay dans l'agenda de la vie de ces centenaires. In the agenda of this centurion. Mais donc, cela nous enseigne que ce n'est pas seulement servir Dieu. It shows us that it's not only about serving. C'est la qualité du service que nous rendons à Dieu. But also the quality of service we give to God. Qui poussera à Dieu d'aller au-delà de ce que nous pensons. That will cause God to do beyond what we think. Donc, il ne faut pas seulement servir Dieu. So don't just serve God. Parce que ces centeniers, because this centurion, ce n'est même pas son enfant. It's not his child. Mais c'est son serviteur. It's his servant. Il peut se dire que bon, écoutez, s'il mourait, il y a d'autres serviteurs. He could say, look, if this one dies, I can pick anyone else. Mais je comprends que la qualité du service que ce serviteur rendait à son maître. But I understand that the quality of service this guy was serving. Lui a poussé d'aller pleurer vers le Seigneur. Caused him to go and cry to the Lord. Et lui dire que, écoutez, je ne peux pas perdre cet homme. To say, I cannot afford to lose this man. J'ai 10 personnes qui travaillent pour moi. I have people working for me. Ils peuvent mourir. They can die. Mais celui-là, but this one, s'il vous plaît, Seigneur, please, Lord, que je ne le perde pas. I don't want to lose him. Donc ce n'est pas seulement servir Dieu, it's not only about mais c'est la qualité God, du service que nous rendons à Dieu, but the quality of service we give qui permettrait to God, à Dieu d'aller au-delà de ce que nous vivons. That will cause God to go beyond what we are living. Au-delà de ce que nous pensons. Beyond what we are